Les crozes? 10 000. 10 000 crozes! Bah écoutez, merci. Merci. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao! Un peu de sérieux, Toshi. Putain, un peu de sérieux. Plus sérieusement, les crozes, voulaient vous remercier vraiment. Je vais pas avoir grand chose à dire. Je vais pas faire un speech, un espèce de blabla. J'ai juste qu'une chose à vous dire. C'est merci, vraiment. On a atteint les 10 000 abonnés. Et je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Je peux vous dire que j'ai attendu ce moment très longtemps, les crozes, très longtemps. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que ça va continuer, j'espère atteindre les 20 000 un jour, les 30 000, pourquoi pas les 50 000, on verra bien. En tout cas, je suis très content d'avoir dépassé ce cap. On est de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Et à cette occasion, les crozes, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, déjà restez sur cette vidéo car à la fin il y aura une petite surprise. Voilà, je vous ai concocté une petite surprise à la fin de la vidéo. Mais avant ça, petite FAQ. Alors l'anecdote, c'est que cette FAQ devait sortir il y a de ça plus d'un an. C'était la FAQ 2. Et je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion. On a atteint les 10 000. Je vais la faire. Mitsuko-chan, pourquoi les jeux d'horreur? Bah pourquoi pas. Mathieu Houdan, question qui peut paraître hors sujet, mais aimes-tu les jeux de rôle? Entre parenthèses, papier, jeux vidéo, etc. Alors écoute, je suis pas très jeu de rôle, non. Honnêtement, je vais te répondre, Mathieu, je suis pas du tout jeu de rôle. Marine Yotoshi, alors as-tu en préparation un nouveau let's play horreur? Comme pour Until Dawn, sinon ne change rien, tu es super. Merci Marine. Et écoute, bah ça c'est une très bonne question, tu vois, parce qu'au sujet des prochains let's play, je peux vous dire qu'en avril, c'est-à-dire le mois prochain, on va avoir 2 let's play sur la chaîne. Écoute bien, accroche-toi bien à ton siège. On aura Outlast 2, déjà ça c'est juste énorme. Et on aura également Little Nightmares. Si vous ne connaissez pas Little Nightmares, les crozes, je vous conseille très fortement là tout de suite d'aller voir sur YouTube le trailer ou des phases de gameplay. Ce jeu a l'air totalement grandiose. Véronica, à quand une nouvelle vidéo avec Seros? Bon, Seros, si tu passes sur cette vidéo, mec, je t'attends, ok? On en parlera, on en discutera. Mais oui, il y aura forcément une... une prochaine vidéo avec Seros. Et quel est le dernier film d'horreur que tu as préféré? Continue comme ça. Merci Véronica. Et le dernier film d'horreur que j'ai kiffé, c'est Conjuring 2. D'ailleurs, j'avais aussi kiffé le 1 et le 2 est tout aussi bien. C'est vraiment cool, j'adore ce film. Mortal Gameuse, que nous prépares-tu cette année? Penses-tu faire des nouveaux concepts? Continue tes vidéos, c'est génial. Eh bien écoute, merci Mortal Gameuse. Alors au niveau des nouveaux concepts, je sais pas si t'as pu le voir sur ma chaîne, mais j'essaie de divaguer un petit peu, j'essaie de mélanger horreur avec autre chose. Comme là, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le quiz, Nob Quiz de Cyprien. Voilà, j'essaie de changer un petit peu, de diversifier ma chaîne, même si je suis pas encore vraiment à l'aise à faire ça, mais ça va venir en tout cas. Loulou, quelle étude suis-tu? J'ai fait 4 ans d'infographie. Voilà, 4 ans de bac pro communication graphique, qui sert donc à faire de l'infographie que je ne fais pas actuellement. Joues-tu d'un instrument? Mon instrument, c'est ma bouche. Valentin Desurtevant. Je vais t'appeler Val. Val, feras-tu des concours, récompenses, faire une vidéo avec toi ou jeu, etc. Alors oui, il y aura des concours très bientôt. Je vais essayer d'en faire sur ma chaîne. Avec de très belles récompenses. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça viendra cette année, mais pas tout de suite. Aaron. Ou Aaron. Petit pas. Tapons. Quand tu ne fais pas des vidéos, à quel jeu joues-tu? Alors, quand je ne fais pas de vidéos, c'est vrai que je joue pas mal. Je joue énormément à Rocket League. Ça, c'est... Je n'arrive pas à m'arrêter à jouer à ce jeu. C'est incroyable. Depuis que je l'ai acheté,
tous les jours, je suis obligé de faire au moins une partie. Sinon, en ce moment, je suis énormément sur Ghost Recon Wildlands, que je kiffe, et Horizon Dawn sur PS4, là, qui est totalement ouf aussi. Virginie, quel est à ce jour le jeu qui t'a le plus marqué et quel est ton personnage de jeu favori? GG pour tes vidéos. Merci Virginie. Alors, pour te répondre, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Half-Life 2 et mon personnage de jeu favori, c'est Gordon Freeman. Que tu peux d'ailleurs voir juste là. Voilà, le grand poster. Juste au-dessus de l'écran de Gordon. Et ça, c'est beau. Estelle, tu aurais une photo de toi petit à nous montrer? Dans ce coin-là, t'auras sûrement ma tête de gosse, quelque part. Voilà. Ça change, hein. Justine, as-tu un jeu préféré? Bah, je réponds, comme tout à l'heure, Half-Life. 1 et 2, hein. J'ai oublié de préciser, mais les deux sont extra. Si tu étais un héros de jeu vidéo, qui serais-tu? Tes vidéos sont au top, continue comme ça. Merci, Justine. Alors, attends, si j'étais un héros de jeu vidéo... Je crois que je serai Geralt de Rive dans The Witcher 3. On peut dire qu'il y a quand même la classe. Quentin, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans les jeux d'horreur? C'est pas ma faute, les crozes. Ne venez pas me blâmer, c'est Quentin le responsable. Feras-tu le nouveau jeu Doom? Alors figure-toi... Figure-toi que j'ai déjà fini le jeu. Édition collector, s'il te plaît. Elle est pas belle? Lucas Martin, combien de temps mets-tu pour faire une vidéo avec le montage PS continue comme ça? Merci Lucas. Alors ça, c'est une question très intéressante parce que je pense que vous imaginez pas le temps que ça prend. Pour faire court, je commence à tourner aux alentours de 14h. Je tourne environ entre 30 et 40 minutes de vidéo. Ensuite, place au montage qui me prend environ entre 2h30 et 3h, ça dépend des vidéos. Mais en moyenne, c'est entre 2h30 et 3h. Après le montage, c'est l'encodage qui prend environ 30 minutes. Où là, je n'ai rien à faire, à part encoder. Après l'encodage, il y a la compression qui dure aussi entre 20 et 30 minutes. Et après la compression, c'est la mise en ligne. Avec ma connexion, ça me prend environ 2 heures. 2 heures de mise en ligne, voilà. Donc en gros, je commence à tourner une vidéo à 14h. Et elle est en ligne vers 19h30. En moyenne. Donc voilà, pour répondre à ta question, toute une après-midi. Maeva Doming, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos de jeux ainsi que d'où est venue cette envie d'y jouer? Quel est le premier jeu d'horreur auquel tu as joué? Alors, l'idée de faire des jeux en vidéo, ça vient de Hooper. C'est lui qui m'a initié vers cette voie de l'envie de faire des jeux vidéo en vidéo. C'est Hooper qui m'a donné envie de faire tout ça. Et quel est le premier jeu d'horreur auquel tu as joué? Je crois que ça remonte à Resident Evil 1 sur PlayStation 1. Je devais avoir en dessous de 10 ans. Je sais plus quel âge j'avais, j'étais très jeune. Et ce jeu m'a totalement marqué à l'époque. Ah tiens, il y a mon petit Seros qui me demande pourquoi tu ressembles à PewDiePie, tu es son frère. Maureen, penses-tu qu'un jour tu auras dans les 100 000 abonnés? Est-ce que tu vivras de YouTube? PS, c'est mon YouTuber favori, t'es le best. Continue les vidéos, on t'adore. Merci Maureen, merci beaucoup pour ce petit message. Alors, penses-tu qu'un jour tu auras les 100 000? Bien sûr que oui. D'ici environ une semaine, je peux te dire qu'on sera même vers les 1 million. Enfin, proche des 1 million. Est-ce que tu vivras de YouTube? Alors ça, par contre, je pense pas. Encore à l'heure actuelle, je ne vis absolument pas de YouTube. Donc, je pense que ça arrivera jamais. Ou alors dans très longtemps, mais on va dire que je vais essayer de rester optimiste à ce sujet. Mais pour l'instant, pas du tout. Xtaz, est-ce que tu vas jouer à Outlast 2 quand tu seras disponible? Eh oui, mon pote, je vais y jouer. C'est au mois d'avril, je crois que c'est mi-avril, 20 avril. Outlast 2 sort fin avril. Donc, t'inquiète pas, fin avril, début du Let's Play sur Outlast 2. Et voilà la fin de la FAQ, les crosses, j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, je vous laisse sur cette vidéo par un petit truc que j'ai fait à la fin. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est un petit best-of. Un petit best-of de mes toutes dernières vidéos, de mes peurs, de mes cris, de mes angoisses les plus profondes. Donc encore une fois, les crosses, je vous remercie du fond du cœur d'être si nombreux. On a atteint les 10 000, je suis très content, je vois que la chaîne évolue. Et c'est bien, tant que ça régresse pas, tant que ça monte, tout va bien. Non, je suis très content, la chaîne se porte bien, j'ai une communauté en or, voilà, je me répète à chaque fois. Mais j'ai vraiment une communauté en or et je suis très content
de vous avoir, les Crozes. Donc merci. Je vous dis à très bientôt, les Crozes. Profitez bien de ce petit best-of. Je vous fais plein de bisous, les Crozes. Ciao! Ok, donc on peut régler la luminosité dans les options du jeu, mais ça ne change absolument. Oh putain. Oh putain, je bouge plus. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Non. Avec ce genre de tapisserie là. Attends, on a une armoire. Mamivelle. Retourne. Oh putain. Attention. Hey you. Ah, te voilà. Et alors? Oh my god. Ah, non. On va repartir par là. Ah ouais, non, notre personnage ne peut vraiment... Ah! Oh putain. Ok, alors juste avant de continuer par là, je vais juste regarder la troisième porte. Ah! Espèce de petit enculé. Super, on continue. Ah! Mais ça, le prix! Qui a fait ça? Ah, putain, la blague. J'ai eu du mal. Va à l'école, saloperie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pisser sur le mur, les Crozes. Ah non. D'accord. What was that? Donc elle a invoqué un portail avec sa pisse et elle est rentrée dedans. Lockdown. Il faut que j'appuie là-dessus. Non, surtout pas. Surtout pas. Alors, cette charmante jeune fille nous indique d'aller à gauche. Est-ce qu'on va suivre son conseil? Est-ce qu'elle a l'air digne de confiance, les Crozes? Ah putain de sale pute! C'est le moment. Ah! Putain de merde! Allez. Oh! Te réveille pas! Non! Un sapin de Noël. D'accord, donc ça doit être Noël. Très bien. Oula. Oh! Ah, mais putain! Elle me cherche. Elle est où? Je peux plus bouger. Ah!